Bienvenue à tous. Merci d'être aujourd'hui avec nous pour ce spécial SSL Quick Mix Challenge. Nous vous proposons aujourd'hui la confrontation, le choc, le match entre deux poids lourds de leur catégorie. Au centre du ring, vous retrouvez la console SSL L550+, accusant un poids de 90 kg pour 36 voix. Et son challenger du jour, également 85 kg sans son flycase, de retour des tourbières du Connemara, après 450 concerts internationaux. De retour de blessure en 2019, il revient aujourd'hui pour relever le défi du Quick Mix Challenge. Je vous demande d'accueillir Romain Dambrine. Pas de mauvais geste. Pas de mauvais geste. Bonjour Vincent, merci. Bonjour. De... Je rappelle les règles. Recevoir. Hein, que ce soit clair. Bienvenue à tous. Rappelle les règles. Rappelle les règles. Template de base. Les seules les pistes ont été nommées. On part sur un mix, une trentaine de pistes. Le challenge, en moins de 15 minutes, arriver à présenter un mix professionnel. Êtes-tu prêt à relever le défi? Je suis prêt. Je t'en prie, mets-toi en position. Le chronomètre est prêt. C'est parti, 15 minutes. Hop là, c'est en phase. Alors, tu pars sur du traditionnel, hein. D'abord, la partie rythmique. Merci Vincent. Je vous en prie. Corps des intermittents. Alors, un petit coup de passe link, on va pré-setup les EQ, les compresseurs, pardon. Hop. Hop là. Ah, sabotage! Ne touche pas au bouton. Pardonnez-moi. J'entrerai 10 secondes pour l'arbitre. On va voir l'arbitrage vidéo là-dessus quand même. Ah, je pense qu'il y a eu accident. Ah non, parce que là, franchement... On n'a pas vu ça à l'entraînement. Hein.
déjà 5 minutes écoulées. Déconcentre pas l'artiste. C'est pas de la vieille radiale, ça. Ah, c'est un challenge. Je reconnais ça. This world, I guess I keep floating, and I won't miss your eyes. Yeah. Merde. C'est pas ça qu'on veut faire. And I know I should agree to watching the color of space. Violent ça. Attention, nous entrons dans les dernières 5 minutes de ce challenge.
I'm out of this world. Yeah, I'm watching the color of space. I'm floating in an astral world. Yeah, I'm watching the color of Nous rentrons dans les dernières deux minutes de ce challenge. Dernière 10 secondes de ce challenge. Derniers instants. Top. Fin de match. Bravo. Ah, je pense que c'est une victoire. Hein. Le public est avec nous. On peut dire ça, oui. Bravo. Oh merde. Ah ouais, les cloches sont arrivées. Ouh. Ah ça fait bravo. Chaud, hein. Ouais. Encore une victoire. C'était loin d'être la plus facile, mais... Rien d'étonnant, on connaît votre préparateur physique, Franck Voidefray, oui. Votre coach mental, Benoît Soutenay.
Merci à lui. Toutes les équipes techniques qui vous ont accompagné dans ce challenge. Dans tout ce parcours. Ouais. Incroyable. Alors, on vous a vu travailler avec les effets sur la partie haute, la compression plutôt sur l'écran de droite. Ouais, sur l'écran tactile, moi j'aime bien faire comme ça, parce que c'est vrai que le tactile, là, je ne l'ai pas trop fait, mais on peut même utiliser... Voilà, bien pratique, toute la puissance de cet outil. La section dynamique qui permet d'avoir quand même vraiment l'équivalent d'un channel analogique sous la main pour chaque piste, qui permet quand même d'être vraiment plus rapide et d'avoir vraiment tout sous la main, ce qui fait que même en cas d'erreur, on voit très très vite ce qui ne va pas. J'ai eu le temps d'assigner les VCA et je me suis même fait une petite fantaisie en mettant des sous-groupes, compression parallèle sur la batterie avec le Listen Mic Compressor. Bravo. J'avais oublié de dérouter, donc j'ai fait comme s'il n'était pas routé parce que j'ai oublié de l'enlever. Beau jeu de jambes. Les connaisseurs apprécieront. Et donc voilà, donc c'est possible d'être rapide. Alors après, évidemment, dans ce laps de temps, j'utilise uniquement ce qui est proposé par le template de base. Je ne peux pas me permettre d'aller chercher, par exemple, sur l'aéroscaisse, si j'avais eu avec un peu plus de temps. J'aurais préféré effectivement aller chercher peut-être un compresseur différent comme le Blitzer, ou aller chercher des effets, peut-être des délais plus stéréo, ping-pong, tout ça. Mais après, c'est vrai que déjà, ce qui est proposé de base permet déjà de faire un mix très complet, d'utiliser beaucoup d'effets, de maîtriser assez rapidement l'assignation des CA, de ne pas trop rentrer dans les menus, de ne pas trop rentrer dans la config. Ça reste quand même quelque chose d'assez assez efficace. Bravo en tout cas, j'espère que ça vous a plu. On vous laisse avec l'écoute donc de ce morceau. Donc, rappelle-nous le titre. C'est Color Space de Vindeg qui nous a fait cette session exprès pour l'événement que je ne connaissais pas avant, dont j'ai pris connaissance il y a 2-3 jours. Donc, c'est formidable. Vraiment, on est vraiment dans le jus là, avec la saison des festivals qui redémarre, c'est assez adapté. Et je veux remercier à la technique Florian et Clément et Thomas qui nous ont aidés à mettre Merci en beaucoup, place monsieur. Ce petit webinaire. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce qu'on vient de réaliser ou pas? Absolument pas. Formidable. Comme quoi, c'est efficace. Merci beaucoup. On se quitte en écoutant donc ce morceau mixé en 15 minutes. Merci à vous. Merci à vous. I guess I keep floating.